présenter. Donc, pour commencer, je vais parler du cadre de ce travail. En fait, je fais de machine learning d'habitude, mais je suis dans l'équipe sécurité système. Ceci dit que je dois collaborer avec mes collègues et trouver un terrain d'entente. Pour ce cadre, avec David, notre spécialiste en système, et aussi dans le cadre d'un projet d'un PAFA pour les étudiants ingénieurs en cycle d'apprentissage, on a proposé ce sujet qui concerne étudier l'évolution historique des performances versus coûts d'érasperie. Mon intérêt, autre que découvrir ce magnifique domaine d'érasperie, c'est de récupérer des données réelles pour servir après dans une dixième étape, pour un projet d'apprentissage interprétable de machine learning. Donc, le projet, comme je vous ai dit, était proposé par David Bissera et les étudiants en question, Cécilia Alstead, Eid Neidzadad, Basma Bouhalisha et Olori Duveronay. Donc, le contexte général de ce travail, ça concerne l'émergence des single board computers, SBC, qui offrent une multitude d'applications différentes. Ça peut aller de simple surveillance des appareils électroménagers jusqu'à contrôle des ventilateurs improvisés pour un traitement d'urgence de cas graves de COVID-19. Plus particulièrement, on va s'intéresser au Raspberry. Sur une période de 2012 jusqu'à 2019, c'était le SBC le plus commercialisé. À la date de fin décembre 2019, ça compte plus que 30 millions d'unités vendues sur cette période. Pourquoi le Raspberry? Donc, pour leur capacité à collecter en continu des données à partir des capteurs dans divers types d'environnement, malgré leur faible puissance de traitement par rapport aux autres unités de computing, ceci dit que les données collectées seront traitées dans un cloud, d'où on aura une puissance de traitement virtuellement infinie. Tout se passe sur cloud. Aussi, malheureusement, un petit souci, à savoir une augmentation considérable de la latence dans la réception des données brutes depuis le cloud et dans le retour des données traitées. Donc, on cherche toujours d'autres alternatives aux solutions all in the cloud. Avec l'émergence d'edge computing, un autre souci, c'est l'évolution des capacités de SBC en termes de CPU, mémoire et réseau, beaucoup plus de puissance que nécessaire pour la collecte et la transmission des données des capteurs. Donc, il y a toujours une possibilité d'utiliser l'excès de ces capacités de tel SBC omniprésent dans n'importe quel environnement en tant qu'une des ressources pour l'exécution des tâches. Donc, ce qu'on cherche à comprendre réellement, c'est leur performance et les coûts associés pour justifier leur emploi, leur évolution historique, ce qui permet d'aider à identifier ou confirmer les tendances, et enfin, ça sera utile pour planifier la capacité souhaitée pour les infrastructures ou applications. Donc, la problématique, certainement, l'idée de comparer le rapport coût-performance différents modèles SBC n'est pas nouvelle, c'est évident, mais aucune étude n'a porté sur l'évolution d'évaluation de l'évolution historique de rapport coût-performance des Raspberry. Et donc, on propose de comparer le rapport coût-performance de plusieurs générations de Raspberry en utilisant des valeurs ajustées de l'inflation du dollar. On sait bien que le dollar, il a perdu un peu de valeur depuis 2012. Donc, on essaie d'aligner sa nouvelle valeur. Donc, pour ce travail, je vais présenter l'état de l'art, ensuite les objectifs d'une méthodologie expérimentale, les résultats qu'on a eus et une petite conclusion à la fin. Donc, plusieurs études sur les performances spécifiques dans divers domaines d'application. Un travail propose d'évaluer la capacité de traitement maximale d'un cluster Raspberry de première génération, des débuts de 2012. En termes de gigaflops, la bande passante des réseaux en mégabits par seconde et les performances d'entrée et sortie sur disque en mégaoctets. Cela permet aussi, en utilisant des tests similaires sur d'autres SPC, on
opération et l'évaluation des performances de la RAM lors de la communication entre les pairs de MPI, Message Passing Interface Process. Un autre travail, il propose la comparaison des performances d'un cluster Raspberry avec un Next Unit Computing, économe en énergie, et un MRD, Mid-Range Desktop, sur trois algorithmes cryptographiques, à savoir AES, Toffish et Serpent, et aussi d'évaluer les performances de trois systèmes à l'aide d'un benchmark, le HPL, High Performance Netpack, en gigaflops. Un autre travail permet de vérifier les performances de Raspberry ou d'ordinateurs similaires dans les applications Big Data avec un grand nombre d'opérations de lecture et d'écriture sur disque. Un autre travail permet d'évaluer les performances de Raspberry de deuxième génération et d'un autre SBC pour les applications ADOP, c'est un chef de lecture DCB sur Cloud, à l'aide des benchmarks de performance pour mesurer le temps d'exécution des tâches, l'utilisation de la mémoire du stockage, le débit de réseau et la consommation d'énergie. Encore un autre travail permet d'évaluer des performances de 17 types différents de SPC, y compris Raspberry de la première génération, deuxième génération, troisième génération, en termes de gigaflops et consommation d'énergie en watts. Aussi de calculer le ratio dollar-gigaflop de chacun des systèmes et de calculer le coût énergétique en watts par gigaflop obtenu. None of this work, aucun de ces travaux, n'a utilisé toutes les générations de Raspberry dans leur étude, de la première génération jusqu'à la quatrième génération, n'a considéré la dévalorisation du dollar au fil du temps dans des calculs métriques. Donc, pour ce travail, l'objectif général de ce travail, un aperçu de l'évolution historique des capacités de Raspberry, première génération jusqu'à quatrième génération, la relation entre le coût d'acquisition et la performance offerte. Ceci dit, on va vérifier l'évolution de la capacité de traitement maximale des différents modèles de Raspberry en termes de gigaflop et du coût en dollars par gigaflop. Ensuite, de vérifier la capacité de mémoire disponible et du coût en dollars par mégaoctet, de la capacité de communication de la mémoire simple en termes de bande passante et de la latence de la communication ainsi que le coût en dollars de la bande passante maximale et en quatrième ordre de la capacité de communication dans le réseau local, c'est différent de la mémoire principale, toujours en termes de bande passante, de latence de la communication ainsi que le coût de dollars de la bande passante maximale. Donc, concernant le choix du modèle de Raspberry. Certainement, il y en a plusieurs. On s'est focalisé seulement sur ceux de type B, de la gamme B. Donc, les modèles B sont la gamme principale des Raspberry. Toujours lancés avant les modèles A, gamme A, ou d'autres spin-off tels que les modèles 0. Il faut noter que dans la gamme B, il y en a 4 générations, contre 3 générations de la gamme A et 2 de la gamme 0. Le prix de lancement du modèle B a toujours été de $35, sauf un modèle particulier qui a coûté au début, qui a été vendu au début pour $45, ensuite il a réduit à $35. Ensuite, le prix de lancement du modèle A a été toujours variable, contrairement à ceux de modèle B. Concernant la valeur du dollar, la valeur réelle du dollar a changé au cours de la période de 2012 jusqu'à 2019, c'est évident. La valeur de lancement des différents modèles de Raspberry a également subi des variations. Pour établir des relations coût-performance, nous avons mis à jour la valeur du dollar au moment de la sortie de chaque modèle Raspberry à la valeur du dollar le 31 mars 2023, au moment que nous avons proposé ce projet à nos étudiants de l'EPITA. Et les valeurs en dollars ont été obtenues par l'intermédiaire du Bureau of Labor Statistics aux États-Unis. On a utilisé aussi des benchmarks. Le premier, c'est le HPL benchmark, qui permet de mesurer les flops effectués par un système lors d'une résolution de système d'équations linéaires. C'est un benchmark utilisé par défaut par le classement top 500 des supercalculateurs les plus puissants. Et c'est une méthode standard pour estimer les performances de calcul des systèmes
informatique. On a utilisé NetPy Benchmark qui permet de mesurer la bande passante, la latence du mémoire ainsi que le réseau, de surveiller les surcharges de réseau à l'aide du protocole tel que TCP, UDP, MPI, et on a effectué des tests de PingBank 5, envoie et réception de messages de taille croissante entre quelques processus, que ce soit sur un cluster connecté par Ethernet ou dans un seul système multicœur. Autre considération, tous les raspberries utilisées dans cette étude sont dotées de Raspbian 5.15 comme système d'exploitation, de bibliothèque d'algèbre linéaire, à savoir Atlas 3.16 et OpenMPI 4.0.6. La première bibliothèque peut influencer les performances obtenues par HPA et le second peut influencer les performances de HPA et de NetPy. Aucun Raspberry n'utilise le système de ventilation, premièrement pour réduire les coûts et certainement pour qu'il soit 100% prêt à l'emploi. Ce n'est pas une configuration particulière. On s'attend à ce que les résultats représentent la performance maximale dans ces conditions et pas nécessairement la performance maximale théoriquement possible. On parle de quelque chose de réel. Pour les résultats, c'est simple. En regardant les performances du calcul, si on regarde sur la première figure concernant l'évolution de la performance, de la première génération 1B jusqu'à 4B, on voit nettement une amélioration de performance dans le temps. Et encore, concernant le coût par gigaflop, l'évolution du coût par gigaflop, certainement le coût se réduit depuis la première génération jusqu'à la dernière génération. Concernant le coût en dollars par mégabyte in Raspberry Model 2B, on voit que le plus cher c'était le Raspberry 1B et le moins coûteux c'était le Raspberry 4B 2 gigabytes. Maintenant, on va voir l'évolution of Interprocess Communication Performance dans notre cas. On regarde ici sur cette figure concernant la bande passante. Ce qui est en bleu, c'est le Raspberry première génération. Ce qui est en jaune, ce qui est en rouge plutôt, Raspberry deuxième génération. En jaune, celui de Raspberry troisième génération. Et en vert, c'est le Raspberry de quatrième génération qui, avec le temps, s'améliore déjà bien. De même pour la latence, le meilleur, c'est celui en vert qui correspond au Raspberry de quatrième génération. De même, si on associe le dollar par mégabyte, on voit bien une réduction de coût pour chaque mégabyte échangé grâce à la dernière génération. Autre évaluation concernant Network Performance. Donc, je rappelle toujours, ce en bleu, c'est la première génération, en rouge, c'est la deuxième génération, en jaune, troisième génération, et en vert, quatrième génération, une nette amélioration de performance. De même pour la latence, le plus faible, c'est toujours quatrième génération. Donc, le coût par dollar pour chaque mégabyte, on voit bien une réduction de coût par rapport à la quatrième génération. En conclusion, donc, dans ce travail, nous avons réalisé une analyse comparative de l'évolution de performance de la gamme B des Raspberry et du coût associé à cette performance. Toutes les générations de Raspberry disponibles, on a utilisé toutes les générations de Raspberry disponibles sur le marché, le premier jusqu'à elle. Et les prix des ordinateurs ont été ajustés sur la base d'une seule valeur en dollars. Les résultats montrent une tendance claire à l'augmentation des performances au fil de temps et une tendance à la baisse des prix payés pour les performances obtenues. Comme perspective, nous souhaitons étendre des expériences à tous les modèles de Raspberry, y compris de la gamme A et 0, refaire les tests et observer la consommation énergétique de chaque modèle Raspberry, c'est pour la mère nature, et on va observer la relation entre la consommation d'énergie et les performances obtenues. Ce travail, ça va servir aussi pour un autre projet, orienter machine learning, plus précisément de l'apprentissage interprétable. Donc, je vais récupérer des données, ce sont des données réelles, un mélange de données numériques et nominales,
pour avoir un modèle de prédiction pour le prochain astéroïde, qui sera sous quelle forme de caractéristiques. Puis voilà. Vous avez des questions? Du coup, l'évolution de performance. Alors, qui font tout le même pour être stable, tu répètes. Oui. Du coup, l'évolution de performance, elle suit la loi de Moore ou pas? La loi de Moore. Je ne connais pas. Tu vas être honnête. C'est quand même un classique de l'informatique. Je pense que David lui connaît. Oui. Il s'agit de David Moore, hein, qui était un des PDG d'Intel, qui a théorisé à l'époque doublement de la performance des machines tous les ans et qui l'a après ajusté à 18 mois. Oui. Du coup, par rapport à ton graphe, est-ce que tu es sur du 18 mois pour un doublement de performance ou pas? Ça n'a rien à voir, ça donne quoi? Je ne peux pas vraiment répondre avec certitude sur cette question. Je ne suis pas vraiment le spécialiste en système, mais je pense qu'il y aura toujours une amélioration de performance. On est sûr ça. Ouais. Reste à voir qu'est-ce qu'on aura comme prochain modèle. On verra avec le temps. C'est pour cela que je propose d'utiliser du machine learning pour voir les caractéristiques du prochain modèle. Mais certainement, il y aura encore une amélioration nette et claire des performances et surtout des coûts. C'est ça le but de ce travail, c'est de montrer que les coûts ont été réduits, malgré que ça fait de 2012 jusqu'à 2019, ça fait 7 ans, 8 ans, et on a réussi, les producteurs de Raspberry ont réussi à réduire les coûts des fabrications. Est-ce que tu nous as donné un peu les ordres de grandeur, mais tu as les ratios de gains en performance? Oui. En fait, pour plus de détails, vous pouvez consulter le papier, mais je peux vous dire par exemple ici. Voilà. Sur ce figure, c'est à peu près 600% de gain par rapport à la première génération. Ici, on voit qu'entre la deuxième génération et la troisième génération, c'est à peu près, ils ont doublé de gain. C'est pas mal du tout. C'est ce que je peux vous dire. J'avais une question sur un de tes graphes, où c'est de la performance, je crois, c'est juste par la grille 4. Sur quel slide, tu te rappelles? C'est slide 20, donc c'était juste avant. Et celui-ci, pourquoi est-ce qu'il y a ces... Pourquoi ça redescend pour la bande passante? Pour la Raspberry Pi 4? Bonne question. J'ai une hypothèse, mais je sais pas, si, parce que la Raspberry Pi 4, elle chauffe beaucoup, alors maintenant, ce n'est pas juste le throttle, c'est du throttle, ce genre de choses ici. C'est possible, parce que dans tous les cas, on n'a pas utilisé un système de ventilation. Ouais, pour la 4, ça commence à devenir spécifique. Et entre la troisième génération et la quatrième génération, ils ont changé un peu d'électronique pour 2 ans, concernant la RAM. J'ai une autre hypothèse qui est que un petit peu trop récente et du coup les drivers c'est de la merde parce qu'ils n'ont pas filé assez les specs. Ah, donc on est doit être en train de faire du PIO ou de faire du DMA ou quelque chose comme ça. Pourquoi ça diminuerait? Bah précisément parce que on sait pas les gérer les récentes comme il faut. On n'a pas des bons drivers dessus. Il y a une question de Rémi qui pourrait recouper sur ça aussi. Lui dit que comme vous avez utilisé Raspbian, il suppose que vous avez tout fait en mode 32 bits et que les 4B supportent le 64 bits et que potentiellement ça pourrait changer quelque chose. Oui, si on regarde, non, je n'ai pas le papier, mais sur le papier on a une sorte d'un tableau qui détaille les caractéristiques techniques de chaque modèle. Sur les deux derniers modèles, ça passe à 64 déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci.